Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Time to Shine après une longue pause. Et on va tout de suite enchaîner avec le concours à 3 points. Vous voyez qu'il y a du beau monde. Curry, Irving, Harden, George, Bill et moi-même. J'espère qu'on va faire du sale parce que on a quand même des arguments, même si on n'est pas le meilleur shooter à 3 points de la ligue. Les gars, il y a la pression parce que là, il y a de très grands joueurs. Vous avez vu que j'ai mis le numéro 7. Petit hommage à Carmelo Anthony parce qu'il faut se rappeler quand même que la dernière fois qu'on est allé en playoff, c'était lors de la saison 2012-2013 et il y avait Melo à la baguette. Donc on va lui rendre hommage et on va essayer de gagner ce concours à 3 points aussi pour lui. C'est Steph Curry qui va s'élancer en premier. Évidemment, bon, c'est le grand favori, on va quand même pas se mentir. J'espère quand même qu'il va pas faire un score de ouf, hein, parce qu'on a quand même envie de repartir avec le trophée. Ça ferait quand même plaisir, surtout après le bon Rising Star qu'on a fait. Ok, pour l'instant, il enchaîne plutôt pas très bien, en fait. Hein. Pour l'instant, c'est 6 petits points. 8 maintenant. Ah, il est pas chaud du tout. Ça commence à briquer pas mal, là. Ouh, Steph Curry. Est-ce que Steph Curry va être éliminé au premier tour de ce concours à 3 points? Ah, il n'arrivera pas à finir le rack, déjà, c'est sûr. Il va lui manquer un ballon. C'est le ballon bonus, en plus. 15 petits points. 15 petits points pour Steph Curry, ça lui ressemble pas du tout. Kyrie, un de mes meneurs préférés. Bien sûr, il n'y a pas Russell Westbrook qui est mon meneur préféré. Mais Kyrie Irving, c'est extrêmement lourd. C'est beaucoup plus adroit à 3 points, évidemment. Est-ce qu'il va nous faire un rack à 0? Non, quand même pas. Voilà, il en rentre un. Il est parti un peu sur des bases comme Steph Curry. Hein. Pas terrible. Peut-être sur des bases à 15 points, on va voir. S'il continue de briquer comme ça, ça va pas aller très très haut. Il est à 6, il lui reste 13 secondes pour faire encore 2 racks. C'est mission impossible. Ça va être du 10 points, je pense, pour Kyrie Irving. Ok, il met le ballon bonus. Il a passé les 11. Oh, seulement un ballon de tirer sur le dernier rack. 13 petits points. James Harden, maintenant, le MVP en titre, le gaucher de ce concours. Et pour l'instant, ça brique pas mal. Hein. Ok, il se ressaisit un petit peu sur la fin de ce premier rack. 3 points. Et pour l'instant, les superstars qui ont du mal à ajuster la mire. Hein. Franchement, quand je vois ça, je me dis qu'on a toutes nos chances. 6 points pour James Harden. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce concours-là? Les mecs ne rentrent pas un panier. Dernier rack pour James Harden. Je pense qu'il va réussir à finir. Ça serait le premier de ce concours. Mais, Ouh là 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 là, ça brique de ouf. Il va peut-être finir à 12. Oh, 10 petits points. Oh, Paul George maintenant. Putain, lui aussi, je le kiffe, ce joueur. Allez, j'espère qu'il va faire un bon concours quand même. Parce que bon, pour l'instant, c'est pas brillant du côté des shooters à 3 points de la ligue. Entre Steph Curry, James Harden et Kyrie Irving, c'est vraiment pas ouf ce qu'ils nous ont fait. Pour l'instant, il est à 6 petits points. Par contre, les joueurs font des animations bizarres sur les prises de balles. Ils font des 3-6. Par moment, je sais pas si vous avez remarqué. Ça, c'est pas ouf. Niveau immersion, c'est pas terrible. Ouais, il va pas réussir à finir le rack. Il va faire 2 shoots et ça va être fini pour lui, je pense. 15 points. Pour l'instant, c'est ce qu'on a vu de mieux dans ce concours. Bradley Beal, maintenant. Il faut pas le sous-estimer parce que c'est vraiment un bon shooter à 3 points. Et il a toutes ses chances. On va voir s'il me fait mentir. Pour l'instant, il est plutôt en mode bricasse des familles. Avec un premier rack à 0. Oh là 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 là. Les gars, c'est insane ce qui se passe. C'est incroyable. Alors, je sais pas ce que nous on va faire. Est-ce qu'il y a une malédiction sur ce All-Star Weekend? On va voir. Oh, aïe. Il est en train de nous faire une petite maison là. Un petit building 20 étages. Mais vraiment tous humains. 8 points. Oh là là, c'est consternant là. Allez, c'est parti, c'est à nous, on va le faire pour Carmelo Anthony, let's go. Oh, le timing, c'est pas du tout le même qu'en carrière. Oh, c'est incroyable. Le timing n'est pas du tout le même. Oh putain, Green Knight. Oh, on commence à ajuster la mire tout doucement. Allez, on brique pas mal aussi. J'aimerais bien réussir à taper des greens. Voilà, là, ça me plaît, là. On fait des timings plutôt pas mal. Je suis en état de concentration maximum, les gars. Pas vous mentir.
faut vraiment que je m'applique beaucoup plus sur les timings. C'est pas évident de taper les greens, surtout que j'ai pas une note à 3 points exceptionnelle. Aïe aïe aïe, je rate le bonus. Allez, on va s'appliquer sur ce dernier rack. Pas besoin de se presser. Ça nous empêche pas de briquer pas mal, hein. Allez, le dernier. On a 5 secondes, on va pas se presser. C'est pas green, et c'est dedans. Wouh, 16 points, ce concours à 3 points est calamiteux. Mais bon, on a fait 16, donc c'est quand même pas mal. Pour l'instant, on est premier, quoi. Allez, Steph Curry qui repart. On a un petit point d'avance pour l'instant sur nos concurrents. Mais ce timing, il est ultra perturbant. C'est pas du tout le même qu'en match. Pour l'instant, Steph Curry qui a 4 petits points, 5 maintenant. Il n'est pas du tout chaud, hein, que ça soit lui ou les autres, c'est très très compliqué. Même moi, franchement, 16 points, c'est vraiment pas ouf. Après, avec mon archétype, j'ai pas une note à 3 points exceptionnelle. Donc en vrai, que j'arrive à faire 16 points, c'est carrément pas mal. On va pas s'en réjouir, mais ça sent quand même plutôt bon pour nous, tout ça. Steph Curry qui arrivera toujours pas à finir le rack. Mais ça, c'est le jeu. Hein. Clairement, c'est de la faute du jeu. Hein. 12 petits points pour Steph Curry, Paul George. Le deuxième acte. Et la brique. Oh là 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 là. 5 points pour l'instant pour Paul George, qui est en grande difficulté, un petit peu comme tout le monde. Il n'arrive pas à enchaîner. Hein. Il n'a pas réussi pour l'instant à enchaîner 2 shoots à 3 points de suite. Va-t-il me faire mentir avant la fin de son passage? Pour l'instant, c'est mal parti. Eh, toujours pas. 5 secondes, il va pas réussir à finir son rack. Eh bien, c'est 11 points pour Paul George. Les gars, c'est de nouveau notre tour. On va le faire pour Melo, pour la Knicks Nation. Allez, let's go. Est-ce qu'on peut taper du green, s'il vous plaît? Allez, ça, c'est les ballons importants. Ça rentre. C'est bon pour nous. Allez, on est pas mal, un green light pour nous mettre en confiance. 2 green light de suite. Ouh, en plus sur le petit ballon bonus. Putain, le timing est presque parfait, ça veut pas passer au green. Voilà. Aïe, 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 je rate le shoot bonus. Oh. Ouh là 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 là, on est on fire. On est complètement on fire, les gars. Le dernier rack, il nous reste 13 secondes. On va pas s'affoler, parce que là, on est très très bien parti. Allez, c'est le shoot bonus. Celui-là, il faut qu'on le mette. C'est green light. Bang, bang. Bang, bang, my guy. 23 points pour nous. On a tout rasé dans ce concours à 3 points. Et regardez, le concours à 3 points est terminé. 23 points. On a été fantastique, les gars. On a été absolument énorme. Les gars, on a très clairement été l'outsider sur ce concours à 3 points. Et on l'a fait. On a réussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Blacky and I'm out. Peace.